Après quantité de décisions que communauté internationale a prend pour couper bandit qui a évolué en de pays d'Haïti chaque jour, qui empêchait communauté haïtienne circuler et vaquer à occupation yo normalement, Rose Beaujean, mesdames et messieurs, décide by opinion pâle sous décision communauté internationale là. Ensemble avec moi, nous prenons attendre qui ça lui-même lui raconter. Puis devant, j'en tout te connais déjà gagné 5 ministres parmi ministres Ariel Henry yo, qui frappé par sanction les États-Unis côté, yo obligé couper visa yo puisque yo t'a fait partie ou du moins a financé groupe armé en pays d'Haïti. Qui est 5 ministres et Ariel Henry a gagné pour remplacer de là-dedans. C'est dans qui ministère ministre a sorti exactement. Tout détail, c'est pour talent comme ça. Puis devant, mesdames et messieurs, il y a un cabinet maître Maisonneuve qui t'a demandé un habeas corpus pour 9 Colombiens qui t'a participé dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Et c'est jeudi à même à 10h que Action ça lui-même lui pral posé ensemble avec juge Bernard Saint-Ville. Est-ce que Jovenel Moïse te yon petit mis sans garde tout bon vrai? Nous pral essayer analyser pour nous voir qui ça qui la cause Jovenel Moïse péri. Jean-Péria. Un peu de rumeur a circulé comme quoi que Hélène Lalime Tamoun qui t'a ordonné assassinat entrepreneur et homme politique haïtien Éric Jean-Baptiste qui gagne entièrement qui a chanté lundi 14 novembre 2022 côté magistrat Carrefour l'a déclaré lundi jour férié, jour congé, non Éric Jean-Baptiste. C'est toute information ça avec diverses autres qui pourraient faire essentielle actualité nous jeudi. Coucou tout le monde, bienvenue sur Info 5 chaîne information nous avec Fabula Jean-Charles. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous rentrer la caille ou à rubrique information ça. Bien avant nous aller plus loin après temps pour nous dire merci ensemble avec vous-même qui like, qui commente, qui partage. Merci ensemble avec vous-même qui toujours invite une famille ou un ami ou abonné à Info 5 pour capable toujours gagner bonne information. Jeudi à c'est vendredi 11 novembre 2022. Bien avant nous rentrer dans le développement titio, mesdames et messieurs, n'a rappelé que journée hier là, c'est une journée qui était assez mouvementée et bouleversée pour mon Carrefour spécifiquement dans sa vente pistache côté allié la piote décidé de doubler. La police nationale d'Haïti te reprend contrôle la situation mais yon perdu un char qui atterrit directement en de grand ravine. C'est avec un pile qui contre ti messieurs sa yo yon ta fait éloge de char ça ensemble avec moi entendre des déclarations yo. Voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça. Bandit continue à faire la pluie et le beau temps en le pays d'Haïti. En bas, la police nationale d'Haïti a gouvernement qui était bekeke, qui pas jamais capable d'y rien. Je ne jodi à la, li pi urgent que jamais que gouvernement Ariel Henry a fait une façon pour être capable de stopper groupe armé sa yo. Pendant que les États-Unis lui-même, pas bon côté pâle, a essayé de faire tout ça qui n'est possible pour le taoué, est-ce que Bandit sa yo ta capable prendre une pause ensemble avec yo série de sanctions que li a pran kote yo et kote moun ki a financé yo. On rentre directement dans le développement titio. Jean te annonce déjà, Rosemont Jean, mesdames et messieurs, réagit sous décision communauté internationale la prend pour capable frapper de sanctions Joseph Lambert, qui c'est président Grand Col, ensemble avec ancien président Grand Col, sénateur Lantibonite, là, Yuri La Tortue. Les États-Unis t'a déclaré, je gagne assez de preuves qui incriminaient de monsieur Sayo dans trafic de drogue ensemble avec corruption dans le pays. Patrice Dumont, sénateur l'Ouest, a déclaré qu'il y a une loi qui était signée entre René Préval, ensemble avec les États-Unis, qui baille DIA l'ordre, ensemble avec pouvoir, pour capable arrêter n'importe monde qui t'a dit leur drogue en Haïti. Sans ne pas perdre du temps, n'a pas entendu des déclarations. Rosemont Jean. Réaction moi, par rapport à la décision que
département d'État américain prend concernant trois des présumés assassins. Nous-mêmes, bon côté par nous, nous pensons que c'est une décision qui vient tard. Et nous connaissons qui ça dit lorsque de monde utiliser tête comme des assassins pour entrer dans le cadre de sa relais séquestration. Cependant, et bon côté pam, moi le tout avec l'autre Dieu, parce que pas d'aucune initiative que les États-Unis entreprennent pour te libérer mon yo, pour te montrer effectivement que mon yo était séquestré. Ça c'est une. Deuxièmement, ça pas fait partie priorité yo. On croit c'est après dernière résolution que yo soumettre par Conseil sécurité l'ONU vinn gen tellement de critiques pour yo capable montrer en fait et yo comprendre yo rendre compte que nous comprendre jouet cap joueur yo obligé venir avec des mesures fortes pour montrer que monsieur Sayo pas gagné pour avec yo. Mais moi-même bon côté pas comme moun k'ap fait analyse comme moun qui gen le bon sens de moun des assassins qui kidnappent des citoyens américains li supposé li ta doué et de fait li ta doué fait partie priorité américaine dans cadre résolution la point. Ouais en dans démarche de résolution yo prend. Ouais, yo te prenne en résolution, yo te cité énormément barbecue Jimmy Cherizier. Or, moi-même moi te dit ça à travers une conférence que nous te fait. Nous te même dit comment pour viter l'homme qui contraint les États-Unis à fermer consulat pour la l'ouvrir en République Dominicaine par rapport à situation de sécurité, or viter l'homme pas fait partie priorité non. Texte qu'elle a soumis devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Comment est l'homme sans jour pour arriver à kidnapper 17 citoyens américains, ou pour 17 citoyens, pour l'homme sans jour, Gaspillay, Mounsayo, qui a cité, pas fait partie priorité résolution ça que vous soumettez là. Et bon, par la suite, vous venez rendre compte, effectivement, nous sommes en bas. Eh bien, ils ont fini avec décision ça. Mais ça nous rejoint nous-mêmes dans décision ça. Ça nous rejoint dans décision ça. C'est que et décision ça crase tout la police nationale d'Haïti. Ouais, décision ça quoi là? Son décision qui met en cause, qui met en évidence, qui met en question le fonctionnement même de la police nationale. Parce que si je dis à à date que le département d'État américain a annoncé. Voilà, mesdames et messieurs, c'est pour la première fois que nous voyons Rosemont Jean aussi calme pendant qu'il y a bail une conférence pour la presse. Bagayo compliqué, bagayo exagéré par bon côté parle. Sénateur, ex-sénateur, pardon, Nenel Kassi tap essayé de demander aux collègues pour faire tout ça qui n'est possible pour être capable de répondre à la question communauté internationale et porter un éclaircissement pour la population haïtienne. Après accusation grave si la yo. Devant mesdames et messieurs, nous gagnons maître Maisonneuve ensemble avec cabinet d'avocat là qui pral faire yon demande en habeas corpus jeudi à la même pour capable libérer 9 Colombiens qui t'a participé dans assassinat président Jovenel Moïse. 16 mois depuis assassiné Jovenel Moïse qui donc ça met Maisonneuve ouais qui pi bon dit qu'a fait c'est allemand de libération mercenaire ça yo qui soi-disant te appuyé sous gâchette là pour crabiner président Jovenel Moïse. Valet moun qui dans prison, valet innocent qui dans prison dans moment, yo pas jamais joué une chance pour un avocat défendre dossier yo, pour un avocat paraître devant la justice haïtienne pour le faire yo connaît que eh bien moun ça innocent
innocent, mes preuves me gagner, mes preuves me pas gagner, alors fait ça nous connaît pour nous libérer. Mais 9 Colombiens qui participaient dans assassiné, dans déshonoré yo pays, OK, pendant que yo touyé président, mettre Maisonneuve trouver l'impossible pour la faire demande en habeas corpus. Mais qui ça qui a passé exactement? Qui est-ce qui met Maisonneuve? Mettre Maisonneuve, c'est Zénith qui fait une époque que opposition a été capé, qu'il n'y a gadache, n'a quoi Jovenel Moïse. Cracher Jovenel pour qu'on même sèche, en de palais national, qui ont été levé capé. Malgré Jovenel changé, fusil d'épaule, pour capable capé goumé pour peuple haïtien. Je dis à là, nous tomber à ce niveau. Donc, il est évident que, pays ça, nous pas décider aller pièce côté ensemble avec lui tout bon vrai. Le gars des situations ça en dans pays là. Pour mettre Maisonneuve sorti côté le ta sorti ya, pour du dire qu'on s'est demander libérer Colombien, alors que pas de youn dans Colombien ça yo, qui qu'on passe devant la justice haïtienne pour capable rendre compte de assassinat président Jovenel Moïse. Yo déshonneur total capital pour yon pays. Qui tombe dans tout ça qui pas bon. On y mande pour pays côté haïtien yo a refugié capable recevoir yo. Lui Sabine Kampe il dit comme ça, non seulement la voye yo tourner, la augmente toi. Donc ça veut dire problème pays d'Haïti pas intéressé pays par là. Problème pays d'Haïti pas menacé pays par là. Si problème Haïti te menacé République Dominicaine, le konsa c'est pas konsa t'a réagi. Gouba kette nous qui content les nous que y a maltraité frère nous en République Dominicaine, surtout pi fa moun qui a vivre aux États-Unis, surtout moun qui a vivre aux États-Unis. Donc il vraiment important là pour nous capable commencer prendre responsabilité nous. Nous pas supposer quitter dérive ça yo à continuer faire en bas chez nous comme si de rien n'était. OK? Et mais puis devant, mesdames et messieurs, qui est dans le gouvernement PM Ariel Henry, il y a 5 ministres que les États-Unis sanctionnaient pendant que les coupaient visa. Lis qui était le ministre intérieur à la collectivité territoriale qui a accusation de kidnapping sous dol. Ministre Justice Lamberto Dorsey qui a accusation de corruption ensemble avec dealer drogue sous dol. Nous gagnons Charles Bredi qui est ministre environnement. Nous gagnons Enor Joseph qui est ministre défense ensemble avec ministre planification hein, qui t'a accusation volé d'Elko Soudol ak assassinat Ricard Pierre, mesdames et messieurs. Donc, 4 nan pi gros ministère en dan pays d'Haïti impliqué dans conflit, impliqué dans corruption, impliqué dans trafic. Eh bien, 2 ministères gagné pour changer yo, qui nan tête Ariel Henry, c'est ministre justice ensemble avec ministre intérieur à collectivité territoriale là. Et nous connaît qui scandale, bagay sa li même li pral fè également. En Haïti, puis devant nous gagnons gros accusation qui fait sous Hélène Lalime. Mesdames et messieurs, côté journaliste a bail détail sous assassinat Éric Jean-Baptiste. Entendez ensemble avec moi. Moi entendez ak zore pam Jean Fizeme et qui fait déclaration hein. Monsieur dit et m'a cité que c'est madame Lalime qui commandait exécution Éric Lin, qui engagé des mercenaires, des snipers dominicains pour tuer Eric. Elle dit que dans la machine Eric là, il a mis des bagailles. Il parlait de valises, ou bien mouchards, si vous voulez. Mais il parlait de valises même, qu'on valise, il a mis dans la machine, monsieur. Et qui pouvait être capable d'identifier tout côté monsieur fait, etc. Ça veut dire que il a mis des éléments de surveillance sous Éric Jean-Baptiste. Il dit c'est mercenaire dominicain qui exécutait monsieur. C'est ça, monsieur dit. Bon, son est cap vivre à l'étranger. Ça veut dire que, il a été convoqué à Isaïe César. Bon, monsieur même dit s'il veut, il a fait conférence à Zoom. Bon, dans la convocation dans la police, dans la justice, pas une question Zoom. Ça veut dire que son l'autre monde encore qui gagne, qui fait émission sous Mega, on fait émission, monsieur a passé sous Mega, et l'IFG émission sur YouTube qui est disponible côté que monsieur parlait de questions ça.
Monsieur clairement dit c'est madame Alim qui commandait monsieur yo, qui engageait monsieur yo pour exécuter Eric Jean-Baptiste. Elle dit que c'est des ambassades qui pas d'accord Jean-Monsieur et mourir, hein? C'est sous ça que le gain lui-même. C'est dans le niveau des ambassades qui étaient un petit genre pas d'accord Jean yo exécuté Eric Jean-Baptiste là. C'est là information en sorti et puis rivé joigné. C'est ça monsieur dit. Et sans commentaire. Sauf que nous avons dit, depuis après la mort d'Éric Jean-Baptiste, là, gagné ces mouns à l'étranger, ces mouns sous réseau, qui dit, mais qui Jean-Éric mourit. Gagné un premier groupe, moins que 12 heures après la mort d'Éric Jean-Baptiste, là, qui dit que c'est Timakak. Et bien, quelques jours après la mort d'Éric Jean-Baptiste, gagné un lot, toujours des nègres qui vivent à l'étranger, qui dit, bon côté par eux, c'est la lime, c'est lui-même qui commandait, et c'est lui qui commandité maintenant. Ça veut dire que lui checker des mercenaires dominicains, des snipers dominicains, et puis pour tuer Éric Jean-Baptiste. J'aime dire que c'est des gens qui vivent à l'étranger, qui parlent dans le pays. Premier groupe l'a dit, c'est Timakak. Ça veut dire que c'est des gens, à mon avis, qui ont des informations. Moi-même, j'ai plus envie de poser la police question plutôt, parce que c'est eux qui ont gagné une mission pour capable de faire enquête. Mais il y a gagné un groupe de gens qui, chaque monde, a une version par. Ça veut dire que chaque groupe, ça a gagné des éléments d'information. Si il y a une enquête qui a mené vraie, pour qu'on ait dans qui circonstance Éric Jean-Baptiste perdu la ville et qui moun qui t'a des crimes ça, ben c'est que des CPJ t'a dû mener des enquêtes. Mais moi-même, je fin poser question ça, mais m'attend réponse. Question pas mieux, m'attend réponse. En attendant que moi garder de l'autre aspect dans ça. Parce que t'as trop facile pour mourir et puis bon silence absolu qui fait sous question ça. Et de fait, nous constater silence là. Sauf que, dans la dernière conversation que j'ai eue avec Eric, l'homme t'a insisté pour me dire, mon cher, comme leader, il y a des dispositions qu'il faut prendre. Monsieur t'a écrit pour le dire. Et, mon cher, sans penser si nous faisons un gros marathon et lui-même c'est les cap démarrer marathon, hein? Un gros marathon pour l'armée et la police. Et moi-même te dis monsieur, je pense que marathon est quand mieux pour l'armée, parce que mon yo, c'est vrai que ça arrive un pile fois des fois que la police l'a fait, mais mon yo plus quoi que l'armée en cabar en solution que la police. Même si États-Unis d'Amérique dit que l'armée pas nous et il était qu'on bail problème dans le temps, bon, c'est nous même qui gagne l'armée nous et nous qu'on a nécessité n'a besoin. C'est pas blanc pour décider qui ça. Et c'est un gros désaccord que nous avons toujours gagné avec Jovenel Moïse. Les gangs a bail problème tout côté dans le pays. On dit président plusieurs fois président, mais pour qui ça nous ou pas mettre l'armée à dehors. Je dis, mon cher, pas calmer l'armée là, t'as l'autant des blancs, dit l'armée fait massacre, et que moi-même, moi, j'ai un problème. Ça veut dire que depuis quelque temps, nous avons toujours gagné des présidents soufflant chou. Des nègres qui ont mis chez bord blanc. Et gagné longtemps, depuis ce groupe de monde, ça a eu, que nous gagnons dans la tête l'État. Même gens, et si dernièrement, attention de démonter, 17 par 15, et que je manqué à aller. Et je n'ai pas envie de retourner sous Baïzar. C'est chaque fois que je m'attends Joseph Lambert. Avec une aisance, avec une facilité. Qui a expliqué le pays. Mais qui vient de coucher. Baï blanc passé sous ventre. Et puis ça qui est que
honnêtement, si je ne jamais moi ça dans vim, pas jamais croire avec yo parce que certain chaque sim ta wè yo l'a dérangé. Pour ne pas dire René Préval invité le matin pour ne venir manger gentiment mon la caille. Puis qui ça Préval va le dire. Ou il y a un problème là parce que blanc dit Blandi, la paix gelée, compte bébête, à part d'Elisabeth de la Tour, madame, compte bébête gagné, et si mon yo, yo gal voye retourner en Haïti, y'a perdu l'université yo. Mon cher m'oblige, m'en ba ça moi-même, et n'a pas obligé Flojid. Malheureusement, le pays n'a aucune dimension pour comprendre ce qu'a parlé là. Parce que quel que soit le pays sous la terre, côté moun moun. Et vous avez dit, c'est que en deux émissions ramassées à Gombe Nekichita, à l'aise qu'il y a tant de discours. C'est cette mesure qui s'est passée là. Pour organiser une élection, résultat fin bail, blanc ou bouel. Et puis ça dit, pour vous expliquer, c'est parce que contre madame moi, il va bloquer contre madame moi. Si vous êtes dans l'université, vous allez retourner. Et puis qui met tout le pays jusqu'à ce que vous affichez dans la figure de monde un certain de bandit légal. Un certain de bandit légal. Ce n'est pas une déception, ça, non? Et puis il y a une radio. Bon, moi, monsieur, je vais dire devant monsieur, honnêtement, je vais demander monsieur pour le quitter la radio. Je vais demander monsieur pour le mettre dehors. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes tendés. Et d'après information qui est arrivée jeune nous, Eric Jean-Baptiste t'est sorti dans une réunion ensemble avec Hélène Lalim et divers hommes politiques en de pays d'Haïti. Leur t'est arrivé croisé ensemble avec lui dans leur sila côté yo assassiné. Et nous songe gang Timakaka t'est déclaré yo pa gen rien pour ensemble avec assassinat Eric Jean-Baptiste. Éphéméride nous pour 11 novembre 2022, qui ça qui t'est passé en Haïti yon 11 novembre? 11 novembre 1810, le général Guy-Joseph Bonnet abandonna Port-au-Prince pour ranger du côté d'André Rigaud. Une semaine plus tôt, André Rigaud, ancien commandant des CAI, avait détaché la péninsule du sud de la République. Le général Bonnet, qui avait été secrétaire d'État dans l'Ouest, décida alors d'aller joindre son ancien général et ami. Pétion, qui nourrissait envers lui des suspicions, avait supprimé le poste de secrétaire d'État selon l'article 265, arrêté, qui a été supprimé la charge de secrétaire d'État en Haïti. Il fut suivi par d'autres hauts fonctionnaires de l'Ouest ayant des attachements avec le Sud, dont le sénateur Pierre Charles Lee. Ce dernier sera, après la mort de Rigaud et la soumission du Sud, appelé à reprendre sa fonction au sein du Sénat de la République. Article 330, décision du Sénat qui rappelle le sénateur Lee à ses fonctions. Nous joignons dans le recueil général des lois et actes du gouvernement d'Haïti. 11 novembre 1913, naissance du professeur Daniel Fignoli. Né à Pestel, aujourd'hui une municipalité de l'environnement de Corail, dans le département de la Grandance, Daniel fut un jeune homme professeur de mathématiques, devenu un puissant et extrêmement populaire politicien. Il a dominé la scène politique pendant plus d'une décennie et pouvait par un simple geste mobiliser des foules immense. Ministre de Dumas s'est estimé, il cofonda le mouvement ouvrier paysan, MOP, un parti politique dans les années 40. Après la chute de Paul-Eugène Magloire, les militaires lui confèrent la présidence provisoire et la lui enlevèrent après seulement 20 jours. Sa mort survint 5 jours après son retour triomphal d'un exil de 29 ans.
C'est ça qui t'est passé dans l'histoire pays d'Haïti, le 11 novembre. Et proverbe nous, pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est deux morts n'ont pas jamais rencontré, mais deux chrétiens vivants rencontrés. Et cela nous met des bouts à courbe pour aujourd'hui. Merci d'être que vous likez, commentez, partagez. Et merci d'être que vous invitez une famille ou un ami ou abonnez à Info 5 pour être capable de bonnes informations. Nous vous rendez-vous pour la prochaine sortie de rubrique. Ça, restez bénis et protégez-vous. Bye bye, à la prochaine. Bon week-end à vous tous.